Salut, salut les amis, comment ça va aujourd'hui? Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Nous reprenons la distance ensemble. Excusez-moi, je suis vraiment malade, j'en peux plus. Allez, c'est parti. Ah ben, attendez. Je vois des plusieurs ridicules. Alors, il y en a d'autres. J'en peux plus. Alors, désolé si vous me comprenez un peu mal ou que je parle du nez, je suis vraiment pas espèce, je suis malade, 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 malade. Donc, regardons les quêtes qu'on a à faire. Ah, c'est la quête principale, celle-là. Oh, non, qu'est-ce qu'il veut faire, en fait? I love surprises. Voilà qui est de base, vous voyez, j'ai perdu le pistolet qu'il m'avait donné le mec. Pas eu. Donc je vais aller hop dans option. C'est pas ça. Bah, si je peux récupérer mon ancien. Je sais pas. J'arrive pas. Il me faudrait. Là, je peux pas le récupérer. C'est vraiment nul à leur système. Oh, c'est pas grave. J'aurais pu avoir un sacré flingue. Débat. Oui, ouais, c'est pareil, c'est bon. Pas compris là. Elle est pas morte encore? You're really starting to piss me off. Ouais, je sais pas ce que tu lui as dit, mais c'était là. Si tu veux. I don't know if anyone can hear me. But if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape. Please, I need help. Une. Donc maintenant que j'en ai trouvé une. Ah.
peu dans d'autres endroits. Maybe there's something we can use. Il y a rien du tout, les amis, c'est m'énerve. Il va falloir que je me bouche juste au moment où j'arrive pour faire pitié avec le mec. Ah, j'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé comment on fait qu'on donne des coups de pied, voyez. Alors là, c'est bon. Là. Alors, du coup, il faut que j'aille en fait, ça m'énerve. Oh, il y a des trucs là. Oh, pas mal. Là, j'ai fait de la merde. Là déjà, on y est arrivé à faire ça. Hop, hop.
Y a rien. Voilà, c'est fait. Ok. Donc elle déjà, on se l'est faite. Mais putain, j'appuie sur quoi? Ça veut pas! Ça m'énerve! Même quand je suis malade, j'arrive même pas à râler. J'en peux plus, moi là. Je suis KO. Pas qu'ici il y avait autant de monde, j'étais mort. Alors, après il faut dire, allez, s'y attendre. La mer a pleuré, que l'on trompera de chant.
Pourquoi ça veut plus? Oh, bizarre ça, les amis. Vous avez plus la musique de YouTube juste parce que le truc bug. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, même moi je l'ai pas, ça me saoule. J'avais mis ça pour avoir un peu d'ambiance, mais. Ça veut plus. Quand ça veut plus, ça veut plus. C'est la merde, ce lourd système. Ce qu'il y a ici. Oh, il y a une coiffe. Oui, il faut que j'aille. You find anything? Thank you. Thanks. Alors, on va aller où? Where the hell did I put that? On va aller là. Allez, ça c'était mérité ce coup-là. Mais pourquoi ça lui fait pas de dégâts quand je le tape? Merde, vous faites chier maintenant! Bande de gros nuls. Là, je vais finir par crever, moi. Et je pars dans la vraie, dans le jeu, pas que dans la vraie vie. Ah.
peux pas. Ok, donc déjà, j'en ai pris un peu. Je vais faire des affaires avec lui. Alors attendez, inventaire. Non. Là déjà je continue toujours tout droit. Toujours tout droit. Max, ça. T'es sûr? J'ai pas pris assez de trucs. T'es sûr? Bloody shithead. C'est possible? Ah oui. On va utiliser l'échelle pour monter. Oh, on peut pas rentrer, super. Bon, on va essayer de monter en haut. Hein. Mmh.
Oh là là, qu'est-ce que... Je suis venu ici, mais il n'y a rien en fait. Je sais pas que c'était possible. On va aller voir si là il y a un truc. Hein. Il n'y a pas une entrée ici. Comme si il n'y a rien non plus, les amis. Je ne sais pas où il faut aller en fait. What do we got here? Là, je sais pas où il faut aller. Thank you.
Ouais, mais je vais aller faire un voyage rapide parce que là, y a rien à faire ici. Y a rien. Peut-être plus tard, j'aurai une mission par là à faire. Parce que si elle me bouffe mes chaussures de boulot, je pète un câble. D'ailleurs, j'ai oublié de me mettre un réveil. Allez, c'est parti, hop là. On va se le faire. Alors, me taille en fait, je ne vois pas l'endroit du tout. On va aller là. Là. Allez. Ah là là là. Non, je vais bientôt faire des questions un peu, non? Mais c'est pas si. Non, c'est pas vraiment.
Et je vais faire tomber. Voilà. C'est plus propre. I love surprises. Bloody hell. Thank you.
Ok. Ouais, je vais ici. Oh putain, là il y en avait trop. Donc, là, je vois pas. Putain, j'ai voulu me cover, je peux pas en plus, c'est vrai, dans ce jeu on peut pas se cover. Tu veux que te faire niquer ou niquer? Il est mort, non? Alors, allez, dégage. Allez, dégage. Oh putain, ils sont partout en fait. Mais vous voyez, je ne peux rien faire. Ça me saoule, vraiment ça me saoule quand ça fait ça, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul ce jeu quand il se met. Maybe I'll find something useful. Ouais, boîte de conserve. Avec une boîte de conserve.
Allez, 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 relève-toi. Je sais comment il faut faire. Wow, il a été joli. Non, Masmal, pour pire, ça le fait reculer un minimum. Même s'il est très fort, normalement, c'est pas possible que ça lui fasse vraiment rien. Attends, non. Et il y a pas rien. Absolutely. Thank you.
Let's take a look, shall we? Ah, c'est là où j'ai commencé le jeu. Oh, il n'y a plus rien ici. Elle a fait mal par contre. Putain, il fait chier ce con. Allez, meurs. Ah, le mec, il veut mourir. Faites attention, les amis. Pas mourir. Voilà.
Moi, j'ai cru qu'on pouvait faire du toboggan. Déçu. Alors là, on continue par là. Là, il faut descendre. Je suis vraiment là où il faut aller. Voilà. J'aille. How's the search? That's all there was. There are two petrol stations in the area, right? There might be some. Sure thing. You might need a cab. You want to good. Alors là. Allez, on y va. On continue. Vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Il y avait rien, mais bon, c'est pas grave. Et alors, elle est très. Elle est pas du tout adaptée à leur commande pour la manette. Parce que de base, j'avais fait une avant. Ouais, mais non, vous voyez pas parce que je ne mets pas la manette. Parce que sinon, vous verrez bien. Allez! En fait, je peux rien faire, quoi. Mais j'ai pas voulu taper. Et ça, c'est pour taper. C'est pas fait pour le coup de pied. Le coup de pied, c'est elle. Non, mais. Là, ils sont morts, les mecs.
certain, en fait. Allez, on va chercher un deuxième. Merde, c'est de l'autre côté. C'est parti. Ça y est, ça remarche. Mais ça remarche pas. J'ai rien dit. Peut-être que dans 10 ans, il y aura plus. C'est sauvé, peut-être. Ah. Ouais, ben, peut-être. Les gars sont beaucoup plus longues. On a la tête sur l'eau. De la fin du monde. Le début du nouveau. Ça peut pas être la dernière. Ah. En fait, il faudrait que ce soit en arrière-plan. C'est ma dernière. Non, là, je trouvais le problème. Je conduis comme un pied. Heureusement que je conduis pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Yeah, ça fait peur. Ouah! Oh, regardez, pouf pouf! Allez, on continue. Oh, j'ai gagné encore une poussée. Déjà, je l'ai aidé à lui. J'aurais pu me dire merci quand même.
bonne compétence. Je trouve que c'est légèrement trop fort. Ah non. Ah, j'ai cru que c'était une bonne technique, mais pas du tout, les amis. Pas du tout, du tout. Alors. Mais c'est pas, c'est dégueulasse, ça, j'étais là-bas déjà. C'est bien ce que je me rappelle par cœur de là où il faut passer. Ah d'accord, tu freines, tu mets marche arrière, ça freine pas et ça fait pas marche arrière. Mais manquons. Some wheels, but could you see if there's yeah okay est-ce qu'il me demande en fait.
That's an idiot. J'ai pas compris pourquoi je suis mort. Donc, il va peut-être sortir de la voiture, ok. Mal ce pote. Alors attendez, une vraie arme. Ce qui est fort, c'est que tu es là. Mais je voulais juste prendre un soin. Je n'ai pas de soin là-dedans. Come here a second. Can you help out? Can you help out? On va améliorer. Voilà, là. Come here a second. Hey. Okay.
Attendez les amis. Miano. Oh. Oui, bonjour. Non, pas du tout. Oui, tout à fait. How the hell did I end up with this crew? Désolé les amis, je suis... Désolé. On reprend. On reprend. Voilà, déjà on y est arrivé à rentrer. Putain, je vais pas y arriver, je suis trop fatiguée. Mon perso est trop fatigué, moi-même je suis. Il faudrait que j'arrive à en mettre au moins un des gros à KO. Là je pense que je vais mourir. Non, elle est pas assez puissante cette arme. Merde. Allez, vite, vite, vite. J'ai trouvé une autre. Elle a l'air pas mal. Essayez avec ça. Ouais, vas-y. Yeah.
c'est un truc de fou, je peux pas te reculer. Ouais, d'accord. J'ai mis le premier coup, mais il arrive quand même à mettre le second parce que t'es déjà lancé, c'est pas possible. Non, mais non. Normalement, là, c'était pas possible du tout. Excusez-moi, ça ne vous l'avait appuyé sur le bouton. Mais pourquoi il y arrive à me foutre un coup aussi fort, lui ? Thank you.
On va pas pouvoir vivre longtemps hein, avec ça. Les freins de cette voiture ne fonctionnent pas, les amis. Ne fonctionnent pas les freins de la voiture. Ah, ça va, j'ai récupéré un peu la voix. Pas très longtemps, mais je vais. Your name's Harlan. I need more gas. All right. Now down the hill is a gas. Non mais avant, je vais rester sur ma mission principale. Non, je vais pas sortir. Salut, salut. Comment ça va? Excuse-moi, je suis malade. Donc, je tousse pas mal quand je parle. Des fois, je récupère ma voix. On ne sait jamais. Donc, bon. Eh ben. Ah.
Ouais, ben, c'est chiant, quoi. Je comptais avoir mon week-end tranquille, tu vois, là. Et au final, ben non, je suis malade. Oui, parce que vu que je travaille le samedi, pour moi, c'est le dimanche et lundi, mon week-end. Et c'est vrai que depuis vendredi, ça décline énormément. J'ai de plus en plus du mal à bien respirer. Donc, je vais voir ce que le médecin m'a dit. J'espère juste que c'est pas trop, trop chiant. Que ça me guérira en même pas 2 jours. Parce que si je vais voir le docteur, c'est juste pour qu'il me donne un cachet. Parce que j'en ai pas du tout chez moi. Et le miel, ça fait un peu effet. Ça soulage la gorge, mais pas non plus miraculeux. Et toi, comment tu. Qu'est-ce que tu fais de beau sinon? Que fais-tu de beau? Non, j'ai fait le test, hein, j'ai pas le Covid. Le Covid, il veut jamais de moi. Je suis jamais malade de base et ça fait longtemps que je n'ai pas été. Je pense que c'est parce que j'ai trop tiré sur la corde. Donc je pense que si je me reposais un peu, que je mangeais correctement, que les gens me casseraient plus les couilles au boulot, peut-être que ça irait mieux. Je pense que là, mon corps, en fait, il m'a demandé des vacances. J'ai essayé de demander au patron des vacances parce que j'étais trop fatiguée, je me sens pas bien. Il m'a refusé, et il veut que je les prenne pendant que j'ai. Tu vois le bail. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas le droit de rater les cours. Je vais pas m'attraper à 0 et me mettre dans la merde après. Donc, je lui ai dit non. Donc, je vais voir ce qu'il va me dire. Et j'en ai pas avant l'année prochaine. Déjà, cette année, j'en ai eu qu'une semaine. Depuis il y a 2-3 ans, j'ai pas eu de. Depuis 2 ans, j'ai pas eu de vacances. À part une semaine, là. Donc là, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter. Et quoi faire? Je suis en BP deuxième année. Parce que j'ai mon CAP, mais je suis le BP pour pouvoir avoir mon propre salon et pour pas qu'un patron me casse les couilles. Parce que clairement, là, j'ai remarqué que dans les salons de coiffure, à peu près 80% de tous les salons de coiffure, les patrons, c'était des cons. Je suis désolée hein, de dire ça, mais c'est la vérité. Les patrons, ils pensent qu'à leur gueule, donc c'est bien joli. Quand t'es malade et que tu ne demandes rien à personne, moi, j'ai toujours été droite, j'ai toujours rien demandé. Et le seul truc que j'ai demandé, le seul truc, hein, je te jure, que j'ai demandé, c'est une semaine, là, fin octobre, pour aller mieux, pour pouvoir me reposer et me mettre à fond pour décembre, parce qu'en décembre, on va faire des heures à la toque. Et moi, de toute façon, vu qu'il m'a refusé mes vacances, il va pas me voir longtemps au salon, quoi. Je vais faire 35 heures semaine, je vais pas dépasser, ni plus, ni moins, j'arriverai plus en avance pendant 30 à 1 heure en avance. Je vais plus ne pas faire de pause repas, je vais prendre mes pauses repas, même si j'ai un client, je vais dire, ben non. Je le prends pas, moi là j'ai envie de manger et de m'opposer. Ouais. Donc tant pis, hein. Au bout d'un moment, je mange pas le midi, je fais pas de pause. Normalement, je suis censée avoir 1 heure de pause. Donc je suis à plus de 35 heures semaine, ça c'est sûr. Parce que j'ai jamais mes pauses repas. Donc au bout d'un moment, j'en ai un peu ras la casquette. Donc j'ai décidé de dire sayonara à tout ça. Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'adore vraiment ce que je fais, quoi. Mais j'adorais ce que je faisais jusqu'à maintenant. J'aime toujours mon boulot. Les gens sont assez sympas. Ça dépend des fois, hein. Quand ils sont mal lunés, ils s'en prennent à toi alors que t'as rien fait. Risque du métier, hein. Mais c'est vrai que c'est chiant que le patron, lui, il t'interdit tout. Donc ça me saoule. Tu fais des heures à la toque, tu demandes que dalle et il n'est même pas capable d'être sympa avec. S'autoriser les vacances. Tu fais ton CV pourquoi? T'as plus de boulot?
Putain, il est chiant ce truc. J'ai la manette en fait, elle fait pas bien comme ça. Ah merde, t'étais dans quoi toi? Ça faisait longtemps que t'étais dans cette entreprise. Attends, là. Je vais aller voir ici s'il y en a pas avant. Yip. Ça passe, c'est combien? Ah, Lidl. Dans les grandes surfaces, c'est pareil. Mais une grande surface, c'est une assez petite, mais ça reste une grande surface quand même. Mais dès qu'il s'agit de grandes surfaces, tu peux y aller, c'est la belle merde. Après, tu vois, par exemple, dans plusieurs métiers, c'est la belle merde. Par exemple, juste moi, tu vois, je savais qu'on allait avoir des journées non-stop, mais de là à pas avoir le droit de manger, ni rien, qu'ils aillent s'asseoir dessus au bout de moi. Là, c'est ma santé qui en a pris un coup. Pour cette fois, je vais laisser passer entre guillemets. J'ai énormément sur moi, mais là, j'en peux plus. J'ai vraiment du mal à bien respirer, donc pour moi, c'est mort. J'ai décidé de stopper tout ça. Ben, moi, mon métier paye. Il paye à peine le SMIC. Ça peine un SMIC. Déjà. Et en plus d'être qu'un simple SMIC, il y a 42 heures presque par semaine pour être payé qu'un SMIC, quoi, même pas. Donc c'est mort. Sans repas, sans pause repas, sans rien. Donc, au bout d'un moment, j'adore ce que je fais à pourtant. Mais là, je peux plus. Il faut vraiment que j'arrive à ouvrir peut-être mon propre salon. Je serai tranquille au moins. Cool beans. One of the best ways to take out one of them infected freaks is to set the some bitch on fire. They turn into crispy critters and that is fucking it for them. I can make a couple molotovs. How can I say that? Ouais. Bring me a couple molotovs. FPI à peine un SMIC. Là, le pire, c'est que bon, pour le moment, ça va, je suis à moins de SMIC parce que je suis apprenti, je suis d'accord. À peine 80%. À peine. Mais je me vois pas continuer à vivre comme ça. Get me a couple bottles of whiskey and get me a couple bottles of longtemps, quoi. I just need a couple bottles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends. Écoutez. Nul. Ça, c'est des missions en continu, ça sert à rien. Ben, j'ai déjà essayé de lui expliquer que c'était obligatoire.
que c'était censé être écrit et tout. Il m'avait sorti comme ça. Oui, mais les clients, ils peuvent venir quand ils veulent, machin. C'est pas à toi de décider pour eux. J'étais là, je fais, mais en fait, je décide pas pour eux quand ils viennent. Je décide juste quand moi, je prends une pause repas, quoi. Donc, s'il veut pas que je mette les 1 heure de pause légale, que j'ai le droit, que je mette au moins 30 minutes, il veut même pas que je me bloque 30 minutes. Donc, en fait, c'est, en fait, tu vois, il y a de la place, les clients, ils prennent. Mais ils se rendent pas compte que des fois, nous, on n'a pas mangé à côté. Voilà, en fait, je lui ai sorti tout mon contrat de travail A plus B. Il n'y en a rien à battre. Et quand le CFA est censé te dé, machin et tout, c'est pas vrai. Moi, mon CFA, il s'en bat les couilles. Ils disent qu'ils peuvent rien faire et que s'il y a un souci, sinon il faut que j'essaye d'aller au prud'homme. Mais je ne veux pas aller au prud'homme juste parce que, voilà. Bon, après, il a un tort dans tous les points du terme, hein, parce que de base, quand tu fais travailler un travailleur handicapé, que tu es obligé d'avoir des trucs aménagés que tu ne les as pas. Déjà, ça, il est en tort. J'ai pas le droit de faire d'heures supplémentaires, j'en fais pas mal. Il y a un contrat d'apprentissage, t'as pas le droit d'en faire. Il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois, qui passent pas. Après, faire 1 heure ou 2 de temps en temps, ça me dérange pas, mais faire presque 10 heures de plus, ça fait chier. Attends, 10 secondes. Oh, oups. Ouf, ça avait mal, ça. Je crois que j'aurais dû travailler à McDo, je crois que j'ai pas choisi mon métier. Bon métier sur le coup. Pourtant j'aime ce que je fais, mais là j'en ai marre en fait. Je suis au moment où en fait je sature, alors que tu vois, je suis, on va dire, au début entre guillemets de mon boulot. Et au final non, je commence à plus du tout être épanouie là-dedans, juste parce que il y a que des connards en fait. Wow. J'adore mon métier, mais je suis saturée par les heures qu'on fait, je suis saturée par comment on nous manque de respect. C'est horrible à dire, hein, mais ça vaut plus rien, quoi. Ça vaut plus rien du tout. Être traité comme de la merde alors qu'on n'a rien fait de mal, ça fait chier. Ouh! Oh non, je suis mort sur le coup. Mais McDo, je crois que c'est un SMIC que tu touches, non? Si tu fais 35 heures. Ou t'as légèrement plus parce que ça vaut plus le coup. Putain, ça m'a... J'ai bugué. Oh putain, les alertes, par contre, sont hyper fortes. Ah, t'as vu les baisser. Je vais en tuer, sinon. Maintenant que je finis ça, putain, c'est vrai que c'est dans l'autre sens. C'est vrai que tout fait la différence maintenant de nos jours. Mais tu vois, normalement, je suis censé avoir des primes quand je fais l'objectif des ventes ou l'objectif de la pratique, quoi. De... Comment on appelle ça? Il y a l'objectif des ventes et il y a aussi l'objectif. Allez.
du travail que tu fais, quoi. Si tu arrives à faire la bonne somme qu'ils demandent, tu as une prime. Et bien, en fait, pour pas que je touche ces primes-là, vu qu'on est le seul salon à faire à avoir plus que ce qu'il faut, il m'a mis chez un autre salon. Et je travaille chez quelqu'un d'autre, dans un autre salon. Donc, je touche même pas mes primes alors que je bosse pour. J'ai pas de primes. J'ai pas les. Je suis même pas au bon salon. Je suis même pas chez le bon responsable non plus. Donc, en fait, là, si je veux. Là, il m'arrive quoi que ce soit, en fait, je suis mal couvert. Je suis même pas vraiment couvert. Je lui en ai parlé pour les primes et tout. Il m'a dit: ah, mais ça va, t'es qu'apprenti, tu touches déjà pas mal. Juste parce que tu vois, nous, on est moins prélevé sur la source du salaire. Ouais, j'en ai parlé à mon collègue qui est censé être aussi. Alors, lui, c'est le salarié, mais en même temps, c'est le collaborateur. Donc, ils sont. Ils ont tout, il a une part aussi dans son salon, à ce salon, sauf qu'en fait, il a le droit de rien dire, rien faire. Truc de malade, en fait. Et au final, ben voilà. Je sais que là, tu vois, par exemple, il faut que j'ai pesé, mais j'ai 6 semaines et demie presque à poser avant fin août, la fin de mon contrat. Eh ben, je sais pas comment je vais les poser. Quand je te dis, je sais pas comment je vais les poser, c'est je sais pas comment je vais les poser, vu qu'il me refuse tout le temps les vacances. Donc, je pense que à la fin, là, elle fait début juin. Si j'ai pas eu de vacances, eh bien, en tout, j'ai 6 semaines et demie à poser. À moins de quelques semaines, quoi. Donc, ça veut dire qu'ils vont être, eux, emmerdés, quoi. Parce que ça veut dire que pendant 2 mois, ils ne me verront pas. Hein. Parce que c'est mort. Je ferai pas des heures sup. Et même s'il me dit, ouais, mais je te mets en CDI l'année prochaine, donc tu pourras rattraper, je vais dire non. Comme ça, je prends 2 mois et ça me laissera le temps peut-être de me retourner quoi dans la situation parce que je sais pas comment je vais faire. J'aime beaucoup travailler avec mon collègue, mais avec l'autre, compte pas trop, je peux pas. Il fait de la merde en fait. Il m'interdit de manger, il m'interdit il nous interdit d'aller de manger donc et les vacances donc c'est mort. Si c'est lui qui doit décider pour moi quand c'est que j'ai le droit de prendre des vacances, bah, alors là, il est mal barré. Hein. Parce que déjà l'année dernière, normalement vu que quand tu as deux, enfin, quand tu as double nationalité, tu as droit à 3 semaines consécutives pendant la période d'été. J'ai eu le droit qu'à 1 semaine. Et quand je lui ai dit, ouais, mais je veux plus que ça, eh ben, il m'a dit, eh, tu peux pas. C'est toi qui décides. Donc, pour le moment, j'ai pas le droit à plus. Ouais, je suis du sud, ouais. Tout à fait. Je peux pas faire le strict minimum. Ça veut dire qu'en fait, je fais à peine la coupe de la. Ça veut dire qu'en fait, je vais dire à la cliente, hey, je fais le strict minimum. Donc, je te fais la moitié de la coupe, je te fais la moitié du brushing, casse-toi comme tu es. En vrai, ça serait rigolo, ouais, laisser repartir les gens mal coiffés. Mais c'est ma réputation qui en prendra un coup parce que de base. Ça va vite, quoi, être patron, même vouloir avoir ses propres clients, après, je suis dans la merde. Allez, non! Non! Mais j'ai même pas pu me soigner. Je pouvais rien faire, ça. J'aimerais bien. Vraiment, j'aimerais bien qu'on m'étende pas se respecter, mais je peux pas. En fait, je suis hors la loi. Je suis hors la loi au moment où je refuse le client pendant mon heure de pause. Parce que c'est comme si je refusais de travailler sur mon lieu de travail. Alors que c'est censé être ma pause. Tu vois là le problème? Et ma vie, elle est pas trop. Et pour pas que je puisse prendre des vacances, ou que je prenne mon samedi, parce qu'il y a des semaines où je fais du lundi au vendredi au CFS, je fais 35 heures. Normalement, je suis censée pas travailler du tout le samedi. Eh ben, lui, il me fait travailler le samedi et à la place, il me laisse le mardi. Et est-ce que c'est. On a trop de monde le samedi, à chaque fois, il y a des réclamations, ils veulent toujours que. Ils veulent toujours tous venir le samedi. Ouais, mais si on leur laisse pas le choix, en fait, si tu leur dis que t'es tout seul, quoi.
Donc je me force à faire 42 heures semaine. Juste pour que je travaille. Le samedi. Pas qu'il soit seul. Mais moi je peux pas. J'en ai vraiment marre. Et le pire c'est que le mardi, en plus, quand il me donne le jour de repos le mardi je fais une heure à peine de moins que les autres jours. Je vais faire 7 heures tous les jours. Je fais 6 heures le mardi exceptionnellement, étant donné que le jeudi je fais déjà 8 heures chaque semaine le jeudi. Donc tu vois, il y a trop de choses qui sont pas logiques chez eux. Mais je crois qu'il organise très mal ces trucs. Il y en a plein qui se sont barrés à cause de ça. Et moi je connais une collègue qui travaillait là-bas. Elle a arrêté d'y être. Hein. Oups, j'ai balancé mon objet. On est que ça. Oh, ah, ça fait mal. Ça. Ouais, mais on me laisse pas le choix en fait. Pour mon boulot, c'est comme ça. Ouais, ça lui fait rien. Et en plus, je les améliore pour rien, ces poignets, apparemment, ça me fait dalle. Mais putain! Ils sont trop forts, eux. J'ai même pas pu récupérer mes trucs. Hein. Bon, venez, faites quoi? Voilà, bam, je suis arrivé à rentrer. Ah ouais? Là, je suis qu'au chapitre 3, il y a combien de chapitres? Parce que vraiment, il est long ce jeu. Bon, je le trouve pas mal, mais il y a des choses qui me déplaisent. Dans ce jeu. Moi, je casse pas. Comment ça, j'ai rien vu encore. En vrai, je m'ennuie un peu dans ce jeu. Il y en a ces trucs. Hein? Ben, ce serait bien qu'il y ait un peu d'action mieux que ça en fait. Mais ça doit être plus marrant de le faire avec d'autres joueurs. Il n'y a rien. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai dit bonjour. C'est pas dit de me défoncer la gueule. Oh, il y en a un autre là. Ouais, on fait un peu de jeu. Ah, ben il était déjà mort. Merde alors. Ça allait trop vite. Il y a quelqu'un. Ouais, il est là. Oh, oh. Bonjour, madame. Ouh, je t'ai refait de quoi, là. Ah.
Ouais, mais je connais pas de gens qui l'ont su. J'ai pas marché sur PS, donc je sais pas s'il y en a. Bon, allez, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Wow, il sort d'où lui? Ça, c'est les alcoolos du dimanche qui sont là. Je peux rester ici. Ils t'ont fait choper. Ah! Merde. Allez! Je peux mettre des coups de pied. Non, tu veux pas? Ah, si, ça y est. Je disais, moi, j'ai personne avec qui jouer. Moi, je joue sur PS et je crois qu'il est pas cross plateforme. Oh là là, je sais pas. I'm right here. Good on you. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. Now, I can still help you get through to the parking lot. But first, you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those. Those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the park. Merde, j'ai fait une connerie. Ah ouais, là, cette fois-ci, ça a pas marché. Là, je vais mourir. Là, je vais mourir parce que la manette, elle marche mal. Au revoir. Ah, je sais pas où il faut aller en fait. En fait, je dis que je sais pas où il faut aller alors que. Oh putain, il y a du monde là. On va passer par ailleurs. Hein. On va éviter de se faire bouffer maintenant. Bonjour. Oh, il est par là. Quel pouvoir. Wow. Oh ben là, elle est pétée et apparemment on peut plus la réparer. Ça me fait chier parce qu'elle était trop bien cette arme. Je vais prendre ça.
je vais regarder juste après. Faut rester à pied sur Rome. Ah, rester à pied sur Rome. Rends-moi, ça me sert. Ah! Ah ouais? Oh putain, je savais pas. Merci. Je vais peut-être dormir, je vais peut-être être un peu moins con. Amélioré. Bon ben voilà. Oh merci de m'avoir dit. Mais d'ailleurs, moi j'ai pas pu choisir le perso que je voulais être. C'est vraiment moi d'arrêt. Ouah! Oh putain, ils m'ont fait mal. You're really starting to piss me off. Wouhou. Je n'aime pas partir, ça allait d'avoir plus de choses. Ah! Mais il est où celui-là qui m'a tapé? Merde, en plus, lui, il est costaud, par contre. Lui, par contre, il est très costaud. Alors, attends. Ok! Maintenant, je le saurai. Hop là, hop là. Non! Hop là. J'ai perdu les vies. J'ai la perte de la vie. Je perds de la vie. On va reprendre de la vie. Hein? Merde. Oh, tiens, on va récupérer. Je plie pas les cadavres morts, je vous promets. Hop là. Compétence. On va faire ça. Je sais pas, je prends au pif les compétences en vrai là. Je mets encore les cacahuètes. J'aurais pu me barrer bien avant, en fait. Somebody. Alors, c'est curant, c'est où, je sais pas. J'aime pas les touches communes. J'aimerais ramasser des queues. Alors, ah ben t'es, c'est sûr ça. C'est bien, c'est propre au moins aux toilettes, monsieur. Très bien. On va pas y aller à vos toilettes quand même. Hein. Elles sont pas très propres. En plus, il y a de l'eau partout, c'est dégoûtant. Bah, je crois qu'il faut monter. J'étais sûr. Tu vois.
je suis nul. Alors, ça me laisse les oreilles, non? On va voir si ça a marché. Bref, allez, on va. Ah, avec la musique. Restez là où vous êtes. J'ai pas envie de me battre avec vous. I need something for the pain. Otherwise, I ain't gonna fucking make it. Please. Is there a... Bon, on va l'enfermer là. Hein. What's this here? Non, parce qu'on vole vraiment partout, hein. En fait, ce jeu, c'est un jeu de voleur, hein. Je vais adorer. Non, faut que tu dégages. Voilà, hop là, là. On va aller l'aider à ce propos. Allez hop, on va faire mission. On va aller l'aider. Allez, tiens, machin. Oh, yeah, that's better. But I need more. Mais dans, franchement, en apocalypse, il y avait vraiment un truc comme ça dans la vraie vie, j'aiderais pas autant les gens. Il n'y en a pas. Au contraire, je les vois. S'ils me disent, il faut que tu abrèges mes souffrances, s'il te plaît, je le fais. Hein. Attention, si on me demande de leur abréger les souffrances. Pourquoi j'ai fini à l'intérieur? Hop, hop. Esquive. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Allez, passe. Ah, c'est pas eux qui veut passer. Bonjour. Ah, j'avais trouvé le bon endroit en plus. Ah, c'est pas là. Mais quelle bande de cons je suis. Ah, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Non, mais je bug. Vous voyez, je veux taper, je peux pas taper. Je sais pas si toi aussi, quand tu jouais à ce jeu, ça te le faisait. Mais moi, ça me le fait tout le temps. Oh, mais il va falloir que j'arrête, j'ai rendez-vous au docteur. Oh.
Ça devenait enfin intéressant, je veux. Ah mais ils sont plusieurs, j'avais pas fait gaffe. Ah il faut que je les tue tous en plus. Super. Ouais, je finis juste ça, après je dois y aller. Listen, needs to be, luckily, rebuilding it. Bonne. Take a look, shall we? Allez, le deuxième. Voilà. Déjà, je gère mieux mon endurance. Je gère mieux que rien. Mais... Bon, j'ai rien dit. Moi j'aime pas, j'aiderais pas les gens. Quoi des cons pour qu'on les aide et qu'on a envie de... Allez, alors. Je vais sortir un peu le chien à Badjali parce que je suis malade et le pauvre il m'a rien demandé. Je vais faire souffrir si je sais pas. Mal.
Et voilà, lui il est mort aussi. Et pourquoi je suis pas arrivé à faire le coup? Bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running. Bloody. I'm just worried about the power in the parking lot. Voilà les amis, pour maintenant ça sera tout. Peut-être ce soir je continuerai le jeu, mais là je vais mettre une grosse pause. Parce que je suis claque et je vais au rendez-vous. Donc je vous dis à très vite les amis. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, tchuss tchuss. Merci d'avoir été là. À plus.